Eh bien, salut à toi YouTube! Voilà, une VOD de Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel, bah, sur la console virtuelle Wii U. Voilà. Bah oui, bah, un mois après la sortie de la VOD, de la dernière VOD sur Pokémon Donjon Mystère. Voilà. Allez, la Fédération des équipes d'exploration a envoyé un message. L'épisode spécial, ben mince alors, est maintenant disponible. Pour jouer un épisode spécial, sélectionnez-le dans la liste des épisodes à partir du menu principal. Ok, si vous souhaitez jouer à cet épisode spécial, oui. Alors déjà, je vais regarder si c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà! Alors je vais peut-être baisser un petit peu le son de mon micro. Voilà. C'est mieux peut-être. Hop! Alors, comptez-vous d'effectuer des missions, du tableau, des missions et des avis de recherche pour aujourd'hui? Je vous laisse faire. Very good. Alors, y a qui dans l'équipe déjà? Ah purée, nous avons Voltaire. Le tableau des missions. Hop, hop, voilà. Moi, ça nous en fait deux. Fallait se tromper. Voilà, on va faire la falaise tromper tout de suite. Bam. Ah yes. Oui, la coquille bug. J'espère que ça va pas être trop handicapant. Hop là. Parce que là, je suis à 595 images perdues. Bon, vous ne voyez pas YouTube. Alors. Alors, j'ai peut-être déposé mon légion, non, je sais pas. Je vais voir ce qu'il y a comme objet. Hop, le mot qu'on puisse dire, c'est que c'est. Ouais. Le grand Noctuma. Ok, bienvenue. Ok. Ah, pas mal. Hop, acheté. Eh oui, ouais, yeah. Yeah. Non. Bon, bah, encore désolé pour hier, il n'y a pas eu de live. Voilà, j'étais très fatigué en même temps et j'ai pas pu record du coup du Pokémon Y hier. Allez. Voilà, déposé, ok. Hop, hop. Ouais, bah, du coup, la semaine dernière, bah, je voulais justement faire du Pokémon Donjon Mystère. Mais pas de bol. Le vaccin. La fin de jour de ma vaccination était la semaine dernière. Ils m'ont prévenu juste. Enfin, ils m'ont appelé juste avant. Le centre de vaccination m'a appelé juste avant. Pour me dire est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui pour 17h? Bah voilà. Voilà. Alors, hop. 800. Alors, je vais mettre la résugraine précieusement. Processement dans le coffre, enfin dans le. Voilà. Hop. Merci, Mouchou. Hop. Allez, on va aller à la falaise trempée. Ouais, et puis ce stream, je pense qu'il va durer au moins 1h30. Hein. Donc la pause sera à 45. Allez, falaise trempée. Laisse tremper, voilà. Donc du coup faut que je surveille le les images perdues. Envoyez Girafarig à Voltaire. Voltaire a regagné à la guilde. Oh purée. Ah yes, ça va être bien ça. Autre. Sauver Anorit et escorter jusqu'à Serfrousse. Wouhou. Wouhou! Allez, morsure! Ah, c'est un coquille! Ouais, je vais lui donner un petit nom. Voilà. Pas de coquille. Non, c'est. Pas de coquille, voilà.
Allez, l'équipe est déjà au complet. Bah, pas de coquille. Pas de coquille. Voilà. Ah yes, il y a. Ah non. Hop. Allez. Hop. C'est moins 3, moins 6, je crois. Ouais, voilà. Alors, une mission peut être accomplie à cet étage. Bon, bah, on va sauver le anorite. Hop, hop, hop. Ok. Il y a... Toi, tu viens ici. Hop. Hop, là. Alors, il peut être où, cet anorite? Il peut être où, cet anorite? Morsure. Hop là. Hop. Hop, morsure. Bah, il est là, cet anorite. Oui. Vous tendez le page d'explorateur vers anorite. Merci, on se voit tout à l'heure à la guilde. Anorite sort du donjon. Voulez-vous rentrer immédiatement? Oui, voulez-vous? Oui. Parce que je suis obligé quand même. Voilà. Hop. Bon, c'est bon, il a tué. Alors. Morsure. Parfait. Hop. Morsure. Voilà. Allez, moins 4. Hop. Vous ramassez l'objet Max Elixir. Parfait. Hop, morsure. Allez, morsure. Hop, Béoran, je prends. C'est intéressant. Morsure. Est-ce que... Ok. Est-ce que l'escalier est encore loin? Yes. Dégage. Alors, il y a qui sur le chat que je regarde? Les tops, ok. Morsure. Hop, hop. Hop. Allez. Et hop, morsure. J'aime bien la chanson. Béorance, ah mince. Bah voilà. Faut l'escorter jusqu'à son Serfrousse. À l'autre. Jusqu'à son ami Serfrousse. Hop. Porte-paume. Porte-paume. Ça va dégager. Vous allez voir. Bah il est là son copain. Bravo, vous avez conduit Girafarig à bon port. Merci beaucoup. Voilà. Et bien, hop, voulez-vous rentrer? Ouais. Parce qu'il y a que ça à faire. Ok. Ruban pêcha. Merci d'avoir secouru Anorite. Veuillez accepter cette récompense. 1500 croquets. Merci d'avoir accepté de m'accompagner jusqu'à Serfrousse. Veuillez accepter cette récompense. Et pour vous montrer ma gratitude, je tiens à vous offrir l'objet gelé jaune. 20 points. On n'a même pas le temps de lire. Que... Ah, la suite du scénar.
Oui. Tu dors à ta manière, il faut admettre que cette journée a été riche en surprises. Le grand Noctuneur qui vient du futur, quelle révélation! Époustouflante, Noctuneur a poursuivi Mascou jusqu'à notre monde. Il est venu ici exprès pour l'appréhender. Et le ramener avec lui dans le futur. La capture de Mascou est donc une mission qui lui revient de droit. Il faut faire confiance à Noctuneur dans cette affaire. Bien sûr, j'adorerais qu'on capture Mascou nous-mêmes. Mais je ne suis pas encore de taille à remplir une telle mission. Il faut nous reposer sur Noctuneur, nous n'avons pas le choix. Ou pas. Vous nous reposez sur Noctuneur ou pas. Atomania, tu dors sûrement déjà. Je ferais mieux de dormir moi aussi. J'espère que Marco sera vite sous les verrous. Bonne nuit, Atomania. Le lendemain matin. Debout et que ça saute, c'est l'heure en pop-up. Ah, bonjour Atomania. Regardez, continuez. Voilà. Donc voilà l'état actuel des choses. À ce jour, rien n'indique que Masco a été capturé. Et Dick Dark, comment vous préférez cette année? Ça non plus, nous n'en avons aucune idée. Nous avons reçu une nouvelle. Aucune nouvelle. Nous sommes dans l'expectative, quoi? Cela dit, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des initiatives au risque de compromettre le plan. Contentons-nous de faire profil bas, jusqu'à nouvel ordre. En attendant, telle une tâche habituelle. Au travail, tout le monde. Ah, les tableaux d'émission. Eh ouais. Ah, vous deux. Aujourd'hui, occupez-vous des tableaux d'émission, ce sera tout. Alors. Bah, on peut faire la côte escarpée. Voilà. Pam, 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 pam. Alors. 987. J'ai peut-être de quoi m'acheter une autre résurène. Alors, hop là. Alors, on va aller vite faire chercher de l'argent. De l'argent. De résurène. On va voir s'ils en ont déjà. Bon, deux max élixir, hop. Que je vais mettre au frais, bien sûr. Alors. Hop. Mais non, mais pas de rouille en pêcheur! Voilà, deux max élixir, ça devrait aller. Allez! Bon, allez, hop. On va garder la racaillasse, on ne sait jamais! Bah, maintenant, go la falaise trempée. La venue d'un Pokémon d'un problème d'un longtemps futur. Déposer. Hop! Voilà! Ok. C'est la côte escarpée, je crois. Ouais, voilà, c'est ça, côte escarpée. Mussiole. J'aime bien cette musique. Alors. Non, mais pas au sol. Autre objectif. Escorté jusqu'à 8000 vols à l'étage 5 et sauver Aspico. Bon, ça va, c'est l'étage 5 pour Mustiole. Allez. Alors. Hop. Jay. Plus que 3 étages. Ah, oh, Midiraco. Hop. Voilà, ça dégage. Yes, on n'a pas d'argent. Non mais, non mais. Voilà, bientôt, allez, salut. Tête, 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 tête. Hop. Au Bali. Hop. La boule. Voilà. Hop.
Hop là. Hop. Encore. Allez. De la gelée azur. Hop, Ruby Grain. Morsure. Tac. Ta-ta-ta-ta-ta. Ça s'inquiète toujours pas. C'est bon. Ok. Ok. Alors. Ok, rien eu. Voilà. Viewer. Hein. Y'a qui? Personne. Alors. Hop. 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 Allez, maintenant on y va. Allez, encore un étage, mais faut le trouver cet étage. Bah, c'est bon, on l'a eu. Ah bah, Tructosaur. Truite. Oh. Oui. L'épisode de gens complet. Voilà. 20 minutes déjà. Bien sûr, je ferai une pause à 45. Hein. Hop, morsure. Voilà. Mission des sonnets. Voilà. Une mission est accomplie. Non. Parce qu'il nous reste encore l'étage 9 à atteindre. Enfin, l'étage moins 9, pardon. Une télégraine. Ah, ça sent intéressant, ça. Hop. Morsure. Crâne de fer qui monte level 27. Eh ben, c'est cool. Il est plus level up que nous. Je suis level 25. Il est level 27. Je crois que Napoléon, je crois qu'il est level 25 aussi. Allez, là, level 8, enfin niveau 8. Bon, bah niveau 9. Hop. Voilà, un étage 9. Une mission peut être accomplie à cet étage. Alors, faut retrouver Aspico. C'est Aspico. Ouais, c'est ça. Sauver Aspico. Il est là. Bravo, vous avez trouvé Aspico. Merci, on se voit tout à l'heure à la guilde pour votre récompense. Aspico sort du donjon. Une mission a été accomplie. Oui. Voilà. Et Beverly. Et voilà, j'ai accompli ma mission. Allez, merci d'avoir accepté de m'accompagner jusqu'à Lumivol. Vous avez accepté cette récompense. Ah, ruban doré. C'est de la thune. 60 points. Ok. 2500. Ok. Allez. Allez, la cinématique. Encore. Encore. Napoléon. Diatomania, je me demande où sont Crefanet et ses amis. Tu crois qu'ils sont en train de se battre contre Masco? Quand j'y pense, je n'arrive plus à trouver le sommeil. Et toute cette histoire est si étrange. Les Pokémon venus du futur, ça serait tellement improbable. Ça, c'est bien vrai. J'ai du mal à croire que des Pokémon puissent voyager dans le temps. Réflexion faite,
Ça m'a jamais traversé l'esprit. Le futur d'où Noctunoir et Masco sont venus, à quoi peut-il bien ressembler? Le futur est-il similaire au présent? Le monde y est-il en paix? Oh! On a encore se lever tôt demain. Il faut que je me force à dormir. Je vais dormir à ta manière. Faites beau rêve. Demain, on fera de notre mieux. Bonne nuit. Le lendemain matin. Debout et que ça se load, c'est l'heure, hop hop. Arf, bonjour à Tomania. Voulez-vous regarder votre aventure? Oui, voilà. En ce qui concerne la capture de Masco, aucune nouvelle ne nous est encore parvenue. Je sais bien que vous avez tous hâte de qu'il se passe quelque chose, mais considérez ça comme une épreuve de patience. En attendant, poursuivez vos tâches quotidiennes. Hein? Oh, quelle est cette sirène? Le shérif adjoint Magnetti est ici. Dit un message du shérif Manizone. Nous sommes enchantés de faire ce rapport. Masco a enfin été appréhendé. Ah, enfin! Sapristi, on a attrapé Masco. Ben mince alors, il a réussi. Youpi! Ouais. Je sens que ça va mal tourner. Ah, repartir? Ouais. Pas ça, on arrive tout doucement à la fin de l'aventure là. Allez! Allez, 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 allez! Eh, des gdins, quand même, mais qu'est-ce qu'on attend? Allez, on se dépêche, tous à Bourg Trésor. Tout le monde est déjà là! Eh, des gdins, hein, on dirait que le grand Noctunoir n'est pas encore arrivé. C'est un gouffre dimensionnel. Un gouffre dimensionnel? Ce dont Magnetti parlait tout à l'heure, oui. Ben oui, c'est bien ça. Voilà, attention. Attention, reculez. À l'instant où vous le touchez, vous êtes aspiré vers le futur. Soyez extrêmement prudent. Phew. Hé, c'est Créaf et Créfonet. Et Créfadel aussi. Napoléon. Ah, vous êtes sains et saufs tous les trois, je suis si content. Naturellement. Alors, le plan a fonctionné? Quel plan? Arrêtez de parler maintenant, s'il vous plaît. C'est Masco, ça! Sans blague, il a une mine patibulaire. Eh bien. Oyez, oyez. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Masco a enfin été capturé. Sans votre infaillible soutien, ok. Oui, comme vous pouvez le constater, Masco est un infâme Pokémon à l'esprit magnifique. Allez. Il reste sous silence. Mais, Chaucine, bien triste nouvelle à vous apprendre. Il est temps pour moi de regagner mon monde. Vous tous, je dois vous faire mes adieux sur le champ. Créfonet, je vous fais confiance pour la suite. Ouais. Nous savons ce que nous avons à faire. Oui. Alors, comment dire? Que nenni! Faites en sorte de poser la paix en ce monde. Pauvre Masco, quand même.
vous tous. C'est un déchirement pour moi. Nif, je déteste les adieux. J'espère qu'on va revoir un jour, Sniff. Peut-être qu'il est déjà là. S'il vient du futur. Donc c'est qu'il existe dans le présent aussi. Peut-être. On sait pas. Ah, en fait. Avant de partir, j'ai deux Pokémon à voir. Napoléon et Atomania. Yes. C'est nous, approchons-nous. Alors ça y est, il faut se dire au revoir pour de bon. Messieurs Noctunoir, merci sincèrement. Tout ce que vous avez fait pour nous. Alors, disons-nous au revoir. Mais le faut-il vraiment? Pardon? Salut! Il est encore trop tôt pour faire pour nous dire adieu. Ouais! Vous deux, vous venez avec moi. Ouais, kidnapping. Sapristi. Bon. Bon bah tant pis. Oui, ouais. Ah yes. Ça bug encore. Ouais. Bah, je pense que j'ai pas fait mon feu. Ah, où suis-je? On m'a traîné jusqu'ici. Je ne peux pas. Je ne peux. Je vais m'évanouir encore. Ouais, c'est sans doute parce qu'on utilise la connexion. Alors attendez, je vais juste voir sur quelle connexion je suis. Ok. Attendez. Allez! Hop. 2 secondes. Ah. C'est peut-être ça. Voilà. Voilà. Parce que là, il y a 1511 images perdues. Allez. Je comprends tout à fait ce qu'il faut faire. Bon, allez, là. J'entends bien. Il en sera fait selon votre souhait. Ok, allez. Hé, hey, Atomania, réveille-toi, Atomania. Je suis là. Où suis-je? Eh ben, t'es dans le futur, mon gars. Tu es dans le futur. Allez, j'ai l'impression qu'on nous a enfermés ici. Allez, on est séquestrés. Atomania, essaye d'ouvrir la porte. La porte ne s'ouvre pas. Ça ne sert à rien, Napoléon a raison, la porte ne s'ouvre pas. Pas de doute, on est sous les verrous. Comment a-t-on pu en arriver là? Si mes souvenirs sont bons, Noctunoir s'est saisi de nous avant de nous entraîner avec lui dans le gouffre dimensionnel. Quoi? Mais alors, ça doit être le futur? Bah oui. Alors ça, je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment le futur? Oui, c'est le futur. Alors, cette salle, la construction ne ressemble à rien de ce que j'ai pu voir. Réflexion faite, peut-être qu'on est bel et bien dans le futur. Ah, yes. Voilà, allez, re-encode. Comment je pourrais faire ça? Yes. Bah, tant pis s'il y a des pertes d'image. Bon. Peut-être que je vais pas streamer trop longtemps. Hein. Voilà. Peut-être jusqu'à 17h. Si tout se passe bien. Nous y voilà. Ok. Où est-ce qu'on est? Ils m'ont ligoté. Je ne peux plus bouger. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Salut.
Et bah, Napoléon. Qu'est-ce que je suis content de te voir? Moi aussi. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui va nous arriver. Si vous le saviez, vous ne seriez pas aussi calme. Pardon? Cette voix vient de par là? Coucou! Masco! Vous deux, avez-vous la moindre petite idée de l'endroit où vous vous trouvez? Non? C'est la cour des condamnés. Il s'apprête à se débarrasser de nous pour de bon. Quoi? Quoi se débarrasser de nous? Attends 2 secondes. Je peux comprendre qu'il veuille se débarrasser de toi, Masco. Mais pourquoi nous? Ah si, on a un rapport avec toi. Enfin bon, bref, voilà. Hop. Ah oui, là, pendant que tu perdais ton temps à t'énerver, tu vois, ils arrivent. Salut! Ouah! Mais qui c'est? Ce sont nos geôliers. Ils sont chargés du sale boulot. Et accessoirement, ce sont les sbires de Noctu Noir. Quoi? Le grand Noctu Noir? Oki. Okidoki. Okidoki. Ah, c'est moi, Napoléon. Ouais, ben, il s'en fout, en fait. Hein. Au codage, on surcharge. Je pense avoir la baisse. Ok. Hop. Allez. Ne gaspille pas ta salive, tu feras mieux de te taire. Alors, que je vais me la mettre en sourdine. Personne sur le chat. Hop, ok. Je me prends lui pour un objet, une capacité à attaquer. Attaquer. Oui, c'est ça. Ça ira. Mais si c'est juste une attaque ordinaire, je peux t'aider moi aussi. Bien. Nous sommes prêts à commencer. Excellent. Mais soyez vigilants jusqu'au bout. Ne les quittez point des yeux. Surtout ce masco. L'exécution commence. Ouais. Ils arrivent. Écoutez-moi bien. Les Ténéfix attaquent à coups de griffes. Ils vont couper les cordes. Quelle horreur. Et ça va peut-être nous donner l'occasion de nous échapper. Les Ténéfix vont se jeter sur nous et déchaîner une pluie de combo griffes. C'est là qu'il faudra saisir notre chance. Il suffira qu'une seule de leurs griffes atteigne le lien. Oh mais oui, ça pourrait couper les cordes. Exact. Voilà. Mais... Et si jamais ce ne sont pas les cordes que leur combo griffe à la serre? Et si... Si les Ténéfix n'ont pas encore leur combo griffe? Ouais. Dans ce cas, mieux vaut ne pas y penser. Ouais. Ah. Courage. C'était le bon moment. S'il continue comme ça, tout sera fini pour nous avant que l'occasion ne se présente. Hé! La corde s'est taillée. Maintenant, chargez! Enfonce! Salut! Que se passe-t-il? Je n'y vois plus rien. Coucou! Allez, allez, allez! J'ai de la terre plein la bouche, plein le bec plutôt. Ouf, on s'en est sorti. Alors comme ça, Masco connaît la capacité tunnel. Oh purée, ça continue. Il connaît des tas de capacités. Et ouais. Dun, dun, dun. Ah. Je vais peut-être faire la pause tout de suite là. Voilà. Allez. Tout à l'heure.
Voilà, ouais. Ouais, il y a 3026 images perdues quand même. Hein. Oui. Bon, finalement, je vais peut-être voir si je peux continuer. Allez, plus vite d'une heure. Je me disais, mais c'est quoi ce bruit? Oui. Attendez. Ça vient du jeu. Ouh. Heureusement. Allez. Allez. Oui, on y est presque. Allez. Allez. Alors, il y a qui sur le chat que je regarde? Ok. C'est notre monde dans le futur? Oui. Mais je vais peut-être arrêter à 15 au moins. À 17h15. Là là. On va te faire une pause. Voilà quoi. Pise, 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 pise. Allez. Allez. Allez, on arrête de parler. Alors, est-ce que le son est bon? Hop, allez! Allez! Voilà! Le son, ça va. Alors, attendez 2 secondes, je regarde juste. Ok. Hop, oh là là. Allez, on se dépêche. Si vous arrêtez de parler, on avancerait peut-être. Hop là, bonne chance. Bonne chance. Attends un peu. À quoi bon partir rapidement? Il fait nuit, on ne voit même pas où on met les pieds. Ah oui, il fait nuit. C'est vrai. Hop, 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 hop. Allez. Ah, si ça pouvait arrêter de laguer. 3026 images perdues. Allez. Allez, le vent ne se bat plus que le jour ne se lève. Le printemps et l'été ne cessent d'exister. Les nombreux ténèbres s'abattent sur le monde. Accélère. Allez, arrêtez de parler là. Allez, on arrête de parler. Allez! Combien de 1? Je regarde, je fais que 12. Attendez. Allez! Il n'y a rien que l'histoire! Oh purée! Ouais, ça va, il fait 12. Super. Il fait que 12. Voilà, les ténéfictes. Ouais, allez, 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 voilà. Ah, que voulez-vous faire? Réserve. Déposer. J'ai peut-être gardé la Mactivixir. Voilà. Mais oui. Allez, c'est parti. Et qui sur le chat? Ok. Ou gros, ouais, du futur. Allez, hop là. Hop là. Hop. Voilà. Allez.
Voilà. Ouais, comme ça, on gagne plein d'XP. Et c'est cool. Hop. Alors. Hop. Beau drive. Tac. Bien sûr. Bon, bon, bon. Ok. L'escalier est là. Allez. Allez. Voilà. Ouh. Aïe, ça fait mal ça. Oui, attends, le rebond mon pile. Voilà. On peut gêner. J'en donne. On part, hein, toutes les 2 secondes, je reviens. Voilà, on veut. Hop. Voilà. Hop. 3046, il est temps d'arrêter. Hein. Allez! Grotte abîme. Ça va, j'ai. Voilà, il est grand. Alors, hop! Hop! Fort, non, fort. J'ai dit forte paume. Allez! Allez, hop! Porte-paume! Voilà! Porte-paume encore une fois! Oh purée! Allez, porte-paume! Porte-paume! Oh mais. Ah mais. Ça, c'est une blague là! Échoué. Oui, on a échoué, lamentablement, on aurait dû prendre l'arrêt du canet, et puis voilà. Allez, hop, allez. Oui, on a vu. Allez, on dirait que les ténèbres sont pas là. Allez, on va prendre l'arrêt du grain. Déposer, ça va. On a encore quelques pommes. Du grain R. Ah ok, voilà. Oui, on y va, allez, on y va. Grotte abîme, porte paume. Ah, tout de suite ça fait mal ça, hein. Voilà, casse brique. Bah ouais, je veux bien la prendre. Info. À la place de faucheuse, allez. Oh. Voilà. Ta-da. Et utilise ton verrouillage, toi. L'escalier, il est où? Il est où cet escalier? Hop! Ok. Hop là. Tac. Ok. Bien sûr. Hop. Hop. Aïe! Ok, hop, morsure. C'était un métamorphe. Bah allez. Il aura peut-être fallu avancer. Oui. Hop. Une pomme. Yes. Vous la rangez dans votre sac à trésor. Hop. Hop. Résume graine. Super. Ah mais
veut dégager lui. Allez! Tac! Voilà! Morsure. Porte-paume. Casse-brique. Voilà. Allez, morsure. Ah, c'est super efficace, donc c'est pas un métamorphe. Alors... éboulement. Alors, éboulement. Ténacité. Ah, j'ai vu l'escalier, c'est bon. On est sauvés. Pas du tout. Allez. Morsure. Hop. Alors. Casse-brique. Un petit casse. Ouh, pas mal. Je monte de level 26. Super. Allez, étage moins 4. Alors, hop. Hop, super. Hop. Hop. Allez. Allez, aïe. Hop. Hop là. Hop. Tac, tac. 436 poké-dollars. 518 poké-dollars. Enfin, poké, pardon. Pas des poké-dollars. Hop. Ta-ta-ta-ta. Hop. Alors... aïe! J'ai des pépés chats? Mais non mais... super! Bon, faut trouver vite l'escalier là. Ok. Casse-brique. On peut lui apprendre casse-brique. Il a bien mérité. Écrase-face à la place d'écrase-face, ouais. Pourquoi pas. Allez. Aïe. Ok. Casse-brique. Et ben voilà. Bon, faut trouver très vite l'escalier maintenant. Il est toujours pas là. Casse-brique encore? Non mais là, t'es pas là! S'il te plaît! Wesh! Hop! Tac! Oula! Ouais, le stick il buguait un peu, hein. On t'a vu, hein. Ouais, je pense que je vais terminer. Ah ouais, ouais. Ouais, 4000, il est temps que je termine, hein. Ouais, hop, casse-brique, voilà. Il est temps que je finisse. Bon, on va pas faire grand chose malheureusement. Hop. Ta-da-da. Hop. Morsure dans le casse-brique. Voilà. Ah, la fin commence à se faire sentir. L'antiscope. Morsure.
Hop. Tac, allez. Hop. Turban, allez. Alors, le stade, il est par où? Alors, hop. À Lucigraine. Non, mais la fin quand même. Oh, tiens. Hop. Hop. Éboulement. Ah mais... Hey. Oh purée. Allez. Non, mais juste... Ok, allez, je sais pas, moi fait des casse-briques ou quelque chose comme ça là. Allez. Béoran. Napoléon. Il restait plus qu'un PV quand même. Hein. Hop, allez. Hop. Voilà. Alors. Hop. Casse-briques. Allez hop. Escalier. Oh purée, mais ils sont chiants à venir. Allez. Hop, ruban spécial. Il est en bas cet escalier, c'est ça? Allez. Éboulement. Éboulement. Voilà. Là, bah oui. Ah, voilà. Demandez, regarde, est-ce qu'il est sorti là-bas? Allons voir. Ouais, mais moi je vais arrêter là. Malheureusement. Malheureusement pour vous, je vais arrêter là. J'ai 4165 images perdues. C'est pas le processeur, c'est plus la connexion là. Allez. Allez, 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 allez. Ça fait une heure. Allez. Allez quoi. Oh purée. Oh putain, encore un train de faire ça. Non. Hein? Attendez. Voilà, bon. Allez. Bon bah moi j'ai arrêté le live là parce que 4421 images perdues quand même. Allez, bon bah on va se retrouver bah, peut-être demain pour du Ratchet. Voilà. Ce Ratchet, bien sûr. Au PS3. Voilà, allez. Allez, mais...